Oh non, non, non. Ah, j'ai vite. Ça, c'est une nouveauté, ça. Les zones à vide. Donc, en fait, des zones où. Sans oxygène. Et où la gravité est aussi d'une façon assez. Particulière. Alors, ici ça va, c'est une petite salle. Donc je. Vous le savez, l'Ishimura gère la gravité indépendamment en plusieurs points. Vos pattes de gravité s'activeront dans toutes les zones sans gravité. Voilà. Donc là c'est bon, je vais accéder à je sais pas quoi. Ah! Voilà. Ça, c'est une salle entière qui va fonctionner. Sans gravité. Est-ce que je peux avoir accès? Oui! Oups! Qu'est-ce que je voulais faire? Votre compteur de mission clignotant. Si vous ne pouvez pas. Alors. Voilà, je profite de la. Mon absence de gravité pour me déplacer dans la salle. Ça, ça c'est cool, ça par contre. Ça c'est vraiment un truc chouette. Par contre, faut pas oublier un truc, c'est que. Alors déjà, je suis au bout. Je viens de là, donc je vais aller en face. Voilà, maintenant pour ça. Ça c'est chiant, j'ai vraiment pas le choix. Il m'a mis, il est mis. Voilà, là il est bien mis. C'est bon, je vais pas me faire démonter. Non. Est-ce que je peux ramener ça à moi? J'aime pas du tout ce bruit. Je me casse. C'est quoi ça? D'accord, c'est juste ma main. C'est pas grave, un coulichon quand même. Sortie zone sans gravité. Ok. Bien, vous avez trouvé. Utilisez ça avec la thermite pour détruire la barricade. Merde. On dirait qu'ils s'approchent. Je les entends dans les conduits. Faites gaffe, Isaac. Entrée zone sans gravité. Non. Hop, je me dépêche, monsieur. Je l'ai entendu. Mais je les vois pas. Un autre derrière moi, je viens de le voir. Non. Plus de musique, c'est que c'est bon. Ouf. Hop. Vraiment. Sortie zone sans gravité. Vraiment. Faire gaffe. Faut vraiment que je fasse gaffe. Après zone sans air. Zone sans air, mais cette fois-ci zone sans air avec. Ennemi, si je me trompe pas. Ce qui fait. Assez particulier. Parce que. Il n'y a plus aucun bruit du coup. Puisqu'on est dans une zone sans, sans air et sans gravité. On est dans l'espace quoi. Le son ne se pro...
bâche pas. Voilà. Et donc, du coup, sortie en fait, zone là. Sans air. Alors là, je repasse mon chemin à l'envers. Hop, je m'acharne dessus parce que j'ai un peu de mal avec. Ah, devant, devant, devant. Derrière, y a rien. Ah. Ah, rien. Ah, c'est là. Oh, oh, oh. Eh ben j'ai pas eu de la techa là hein. Pourquoi j'ai pas accès à la salle là par contre? Ça je me demande. Ah verrou de force. Ah zut. Il faut un point de force. Bah allez, je vais le prendre. En fait les points de force on peut s'en servir et pour l'amélioration des armes. Ça c'est vrai que j'y avais pas pensé. Et pour ouvrir des salles un peu comme ça sans il y fermer. Avait quelque chose, n'est-ce pas? Oui. On l'a trouvé. Alors tout était vrai. Tout ce temps. Ne nous emballons pas trop vite. Ce que j'ai vu n'avait rien de divin. Il est enfin là. Nous sommes ses premiers apôtres. Mathius n'autorise personne à descendre sur la colonie. Elle est sous quarantaine jusqu'à nouvel ordre. Mathius ne sait rien. Lui, plus que les autres, devrait savoir que rien ne compte plus, que ce soit l'opération ou même la compagnie. Elle est notre délivrance. Mais taisez-vous, bon sang. Des gens sont morts là-dessous. Les faibles et les profanes ont ce qu'ils méritent. Moi, j'ai la foi. Qui croyez-vous, Terence? L'église? Alors, donc il y a conflit entre la science et l'église. Ah, tiens, ça rappelle pas quelque chose? Chose qu'on connaît, hein, pourtant. Bon, il n'y a plus de la place dans mon inventaire parce que j'avais plus de place et j'en ai besoin parce que je crois que le. C'est de merde! What? Non, 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 ça te faire foutre! Ah, eh, c'est une petite crotte, mais putain, qu'est-ce que ça fait mal? Bon, j'ai réussi. Hein? Ah, c'était pas sans mal, hein? On va faire une petite sauvegarde. Duel. Voilà hein. Et on va faire sauter la porte. Ah zut, il y avait un truc de stock. Ok, et genre Isaac a rien pris avec ça. C'est la termite, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder des vidéos. Et essentiellement avec les Miss Buster, pour ceux qui connaissent pas, c'est génial. Super mission. Et ils ont utilisé la termite et avec ça, ils ont réussi à scier une voiture en deux. Enfin, à couper une voiture en deux juste avec de la termite. C'est pour vous dire la puissance du truc. Donc ouais, non, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Alors par contre là. Ouais, c'est ça, ça ne sert à rien, ça se vend juste. Donc ça, c'est cool. J'ai énormément de munitions. Je pense que je vais en vendre un peu. Voilà. Et je vais...
peut-être acheter le trancheur. Le truc c'est que le trancheur... J'ai pas les munitions, là c'est les balles d'assaut, c'est pour le l'arme d'assaut. Je sais pas ce que ça vaut en fait. Non, je vais rester avec mon cutter plasma. Pour le moment, et on verra bien. La clinique. Ok, on y est. C'est là que se trouve. La voie vers la morgue doit être libre. Souvenez-vous, les codes sont sur le corps du capitaine. La clinique, la morgue, donc le capitaine doit être... Oh non, pas les trucs là. Ma chérie. Ici l'officier médecin-chef Nicole Brennan. Est-ce que vous me recevez bien? Nous avons besoin d'aide. Nous manquons de ressources ici pour traiter ces patients. Personne ne veut nous dire ce qui se passe. S'il plaît, nous ne sommes pas équipés pour soigner ces... Mettez-le sur la table. Tenez-le bon sang. Tenez-le bien. Merde. Fin de transmission. C'était Nicole. Je ne sais pas de quand date ce message. Mais elle doit être quelque part ici. Ah, ces bruits! Ouvre! Ah, c'est quoi le coup de poing déjà? Ça c'est le coup de pied. Non, c'est un revers. Non, c'était la vie. Oh là là, le coup. Peut-être ça. Ah bah voilà, c'est ça. Mais c'est pas possible, c'est pas un cassable ou quoi ça? Voilà. Gâcher de la vie, voilà, ça met ça. Ah putain. Ah, les urgences. Oh non. Bon, ici il y a du fail. Alors, ici il y a des bébés. Allez bébé, ça va? Viens. Comment on est censé les tuer? Voilà, je préfère être sûr. Pour tuer un bébé en fait, il faut couper deux. Ah, des dents de trancheur, ça y est, donc ça veut dire que je commence à récupérer les munitions pour le trancheur. Il faut couper deux des trois tentacules qui sortent de son dos. Et en fait, ça le tue. Donc faut le démembrer comme tous les autres. Toutes les autres bestioles. Il y a plein de trucs ici. C'est quoi c'est... Merci. C'est quoi ça? Une pompe à oxygène? Ah bah je la prends. Au pire c'est fait. Bon. J'entends des voix. En fond. Dans le... Pas ça. Ça c'est ouvert. Et là-bas, j'arrive pas à voir. Déjà il est là-bas. Un ascenseur. C'est l'ascenseur de la morgue. Purée, donc c'est par là qu'il faut que j'aille en plus. Je vais déjà aller. C'est quoi ici? Les urgences. Faut que je tape toutes les urgences pour être... Oh mon dieu. Hi there.
Sors tes tentacles. Connasse. Connasse. Ta peau. En vrai. Oh là, quand même. Oh. Ah, il était pas mort. Salope. Encore un. Encore. Deux. Oh, 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 oh. Salut, salut, salut. Encore un derrière. Oh. 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 Purée. Les munitions. Putain, il y a encore plein. Allô ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Je m'appelle Hélène Fisk. Je me réveille juste d'hyper-sommeil. Je suis seule. C'est moche. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tout le monde est parti. Je vais tenter de trouver quelqu'un. Si vous me recevez, venez m'aider. Oh, j'entends comme des rats dans les murs. Qui est-ce ? Qui êtes-vous ? Vous êtes médecin ? Aïe. Vous êtes Harry, le prisonnier de la colonie. Et vous avez tué cette infirmière. Aidez-moi, je vous en prie. Mais vas-y. Je cours. Laissez-moi courir. Je peux pas. Je sais pas pourquoi, mais vraiment. J'ai énormément de mal à me déplacer. Non mais ça, je vous ai dit quoi. Oh, c'est les naissances. Ah, tous les bébés qui ont été transformés. Non, j'ai plus de vie. J'ai plus de trucs de vie. Dans la mouise. Vers où ça? Super. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh. Super. Si on rentre en état. Oh là là. Ok. Pas. La morgue. Ah, la morgue. Oh, une sauvegarde. Là, il faut parce que... Vu le peu de vie que j'ai... What the heck was... Dr. Kine, officier scientifique en chef au rapport. Les troubles de la colonie m'inquiètent beaucoup. Je pense que ces problèmes sont liés à la découverte du monolithe, mais la nature exacte de ce lien reste à établir. Près de 40% des colons présentent des symptômes de démence dégénérative. Les plus visibles sont les tendances dépressives, insomnie et hallucinations. Des réactions violentes allant même jusqu'au meurtre indiquent aussi une paranoïa extrême. Le docteur Mercer m'a conseillé d'en faire venir quelques-uns pour les étudier. Le docteur Welland, psychiatre de la colonie, m'a indiqué que ces analyses ne l'ont mené nulle part. Je ne suis pas sûr que l'idée de Mercer soit la bonne, mais j'ai besoin de son aide. Nous devons trouver des réponses rapidement. Un ascenseur. Purée, j'avais cramé quelque chose. Dans un ascenseur.
ascenseur, dans un jeu d'horreur, il y a une règle, c'est dans un angle, au cas où quelque chose apparaît. Au cas où quelque chose tombe de l'ascenseur. Super. Oh putain. Oh bah ça sent encore ma mort ça. Connard. Oh non, pas ça! Non, pas eux! Et voilà! Hop! Putain! Ah, j'ai le rig du capitaine. Ah bah c'était le capitaine, d'accord, qui s'est fait transformer en... Code bien reçu, ils ont l'air bons. Je me souviens. Dieu merci. Je vais fouiller dans les rapports du capitaine. Crève ça. Rendez-vous au tram, je vous contacte là-bas. Je veux en savoir plus sur ce qui s'est passé ici. Bon. Prendre la vie. Ah, c'est saleté en fait. Les espèces de chauves-souris... On va appeler ça comme ça, alors que j'entends encore des voix. Transforme les cadavres en nécromorphes. Alors, c'est avec tristesse que je prononce officiellement la mort de Benjamin Mathius. Si les conséquences exactes de sa mort restent à discuter et dépassent mon travail. Je ne peux que témoigner du corps, sujet en bonne santé pour son âge, même si un test sanguin superficiel indique un taux de glucose très bas et une absence presque totale. Déosinophile, je sais pas ce que c'est. L'examen antérieur à l'embarquement ne mentionnait rien de tel et laisse supposer un problème récent qui n'aurait toutefois pas causé la mort. Voilà. Je me suis là. Contusion multiple sur les bras et les mains indiquant une légère brève altercation. Légère contusion autour de la cage thoracique suggérant une pression au niveau de la poitrine. La mort a été causée par un traumatisme prolongé du globe oculaire. Super. Un attaque cérébrale. Agression extrêmement violente. Automutilation. Non, exclue l'automutilation. Bref, il s'est passé un truc super fun avec lui. Et il est mort. Et moi. Je reprends mon ascenseur. Comme d'hab. Un angle. Meurt là, et là par contre, va y avoir de la chauve-souris. Hello there! Non, 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 il faut que je rouvre la porte, il faut que je rouvre la porte. Ouais, vache! Comment vous voulez? Comment voulez-vous ne pas avoir les jetons quand vous voyez un tel truc vous foncez dessus? Sérieux? Ah là, j'aime bien. Isaac, je ne sais pas comment il a fait, mais un de ces salopards m'a trouvé. J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage. Putain. J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont. Je ne sais pas bien ce que sont ces choses, mais elles viennent de la planète brisée en dessous. Ça a commencé en bas, puis c'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. Merde, on a un gros problème. Les moteurs sont coupés et on dévie de notre orbite. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Je reste ici pour en savoir plus sur le problème. Chouette. Chouette. Là, je vais devoir reprendre le tram.
et en finir avec l'épisode 2, je pense. Ce qui fait que moi, je vais aussi arrêter là. Mais avant... Je vais bien avoir une bestiole à fond. Non. Eh, magie, les cadavres ont disparu. Oh non. On va peut-être faire un petit truc avant. Maintenant que je commence à avoir des munitions, je vais acheter le trancheur. Un peu plus efficace que le... Que le cutter plasma. Mais j'aurai un peu moins de munitions. Je garde à tout prix le soin. 50-75, ça me servira pas d'en avoir autant. Par contre, je vais acheter maintenant. Ah, je peux pas, non! Ça va, j'ai acheté le trancheur, mais je sais pas les. Tant pis. Tiens, pour changer d'arme. Voilà. Le choix des armes, c'est ça. Donc, normalement. Voilà. Là, c'est le trancheur. J'ai tiré. Absolument pas ce que je voulais faire, mais j'ai tiré. Voilà. Tant pis. Et... Hop, suite. Et on va finir là. Voilà. Fin de l'épisode 2. On a fini l'infirmerie. Et donc épisode 3, il va falloir aller... vers les moteurs.